passionné du mouvement HMRTI, quand un mec a vu le fondateur. Ah pardon, je ne tiens pas à discuter avec quelqu'un qui attend de l'importance qu'à son extérieur, à son habit, à son apparence militaire. Mais ce qui me paraît plus particulièrement grave, c'est que tu es admis en France. La première marque du secours de Dieter Barr, de scouter loyal, tient sa parole et dit toujours la vérité. Si quelqu'un vient à sa place sur cette Médoura, c'est de moi qu'il s'agit. Calmez-vous un peu. Mais qui êtes-vous? Je suis les scouts juifs. Je représente le premier mouvement des terreurs juifs, fondant Galicie en 1913. Le mouvement scout juif. Comment oses-tu te présenter comme le fondateur du mouvement? C'est faux. Le mouvement a été fondé 10 ans plus tôt. Je me présente, je suis l'un des étudiants juifs des cercles d'études du Tseret Tzion en Galicie. Et que faites-vous? Le chronique de notre vie, le scoutisme. C'est pas bientôt fini le bébé là. C'est pas pour lui qu'on est venu. On a dit qu'on n'avait jamais eu de bébé. Mais j'emmerderai pas les autres. Dommage. Et nous emmerder aussi. C'est bon. Scottie, bon, discussion. Bon d'accord, pensez, discutez, mais il y a des conclusions. Que dis-tu? Pensez, discutez, bien sûr, mais pourquoi pour discuter les conclusions? Comment ça va faire? On discute afin d'approfondir et de préciser sa pensée. On pense afin de continuer la discussion. L'essentiel, c'est la pensée. Elle est au commencement de tout. Elle développe l'intelligence, le cerveau. Intelligence, cerveau juif. C'est d'un corset qu'il a besoin, le jeune juif. Devenir de vrais et bons scouts comme les non-juifs. Voilà le but! Espèce de russe trédignard, esprit tordu. Voilà comment je propose de résoudre le problème de la jeunesse juive. Alors, qui de vous deux est finalement le fondateur du mouvement? Je la connais, moi, l'histoire du mouvement. Voilà ce que j'ai noté dans mon carnet. En 1916, j'ai réalisé l'union de deux mouvements. Le coup du HMR et les étudiants du centre de Séré et Tioche. À la tête de ce mouvement unifié, se trouvait une loi de l'arachide provisoire, comprenant 5 rabérines de chaque organisation. L'union avait été contractée à titre d'essai et rendait en cas d'échec sa liberté à chacun des contractants. Traverine, je pars. Tu pars tu? À Tarnov. Et cela? J'ai reçu un projet. La Moatza Arachi a décidé de convoquer un congrès de tous les madrichim de la Chomer à Saïd, du 25 juillet au 1er août 1918, au camp de Chambri de Tarnov. La langue officielle sera libre. Et la libération prend contact ceux qui occupent une certaine fonction éducative à partir du Maghreb de Foulsa. La Moatza Arachid sera élue par les Rachaï Kenim écoulés. Tous les chambres doivent venir en uniforme, se munir de temps, de nourriture pour 5 jours. Je vous transmets un rapport succinct concret qui ont participé. Plus de 600 chambres et de tous les coins de la Galicie, au centre des délibérations, avait été posé le problème suivant. Quelle est la tâche du chômeur? Le chômeur est-il un mouvement, une méthode éducative ou une organisation nationale de jeunesse? La réponse donnée est la suivante. Nous aspirons à éduquer un homme capable de réaliser les idéaux chambres dans la vie de tous. Le grand événement qui a marqué un véritable mouvement au Congrès a pu la lettre du trafic de pays il y a. C'est avant tout. Il nous faut avant tout. Nous voulons éduquer une génération, non pas frêle et fragile, perdue dans un monde de chimères, mais saine et forte. Notre jeunesse doit se préparer à une vie de travail, être consciente de sa tâche dans la Gola comme dans le pays de l'Europe. Le travail vertueux de la fertilisation des terres industrielles montagneuses, des sables du désert, ne sera pas accompli par des poètes fictionnels. Il nous faut développer l'esprit et le cœur, la volonté et le caractère, la confiance et la joie. Tout ceci n'est qu'une préparation à la vie. L'accumulation d'une énergie qui ne s'épanouira pleinement que dans une vie de travail. Le chômeur dans le pays des autres nous peut se nourrir. Durant des dizaines de générations, nos parents et nos aïeux ont le travail. Ils sont ne sont ni hymne, ni cantique, ni élégie sentimentale, mais des haches, des pioches, et avant tout vos mains. Apportez-nous. Ah, nous n'y a pas de choses, car
Thank you.
mince et lancée. La force de la jeunesse et l'énergie se dégageaient de lui. Il conquit nos cœurs par sa confiance qui provenait de son attitude, par ses idées claires et par la ferveur. C'est un camarade qui jamais ne nous décevra. Nous savions que toujours il trouverait la solution de tout problème et qu'il saurait ce que nous avons à faire. Il ne reculera devant aucune difficulté dans l'accomplissement de sa mission. Il nous expliquait les choses les plus complexes avec une simplicité convaincante. Nous écoutions ses paroles et nous avions l'impression que les murs du ghetto s'effondraient, que le désespoir nous guidait et que les doutes s'en allaient. Nous avions de nouveau le sentiment d'être une partie du grand camp qui lutte contre la bête nazie et qui défend l'honneur et l'avenir de notre peuple. Nos cœurs furent aussi compris par son amour profond et vivant, son identification avec le sort du peuple et les souffrances et les soucis des masses juives. Nous savions qu'il sera avec nous jusqu'à la fin. Cette certitude nous donnait un sentiment de sécurité et nous donnait la volonté de ne pas baisser la tête et de se soumettre au destin, mais de combattre jusqu'au bout. La venue de Mordechai entraîna une révolution dans la vie de notre jeunesse. Il parlait de Vilna et de ce massacre, confirmait les nouvelles atroces et nous disait la vérité sur les camps de la mort de Treblinka. Il nous parlait aussi des 200 jeunes garçons et filles de Novgorod qui s'étaient cachés dans une maison armée de haches et de marteaux et qui combattaient contre les Allemands avec ces armes ridicules et rudimentaires. Tous tombèrent, mais dignement. Il ne se contentait pas de nous raconter ces faits à nous, mais à tous. À tous les mouvements de jeunesse, jeunes ainsi qu'aux Mordechai était un homme pensant et agissant. C'est lui qui créa les équipes de saints. C'est lui qui fonda l'Union des combattants. Partout où il se montrait, on le suivait des yeux. Il était courageux de nature et jamais il n'était absent d'un endroit dangereux. Un jour de départ d'un convoi de notre ville, alors que les Allemands couraient entre les rangs, hurlant et frappant à coups de fouet, tirant dans la foule, alors que les morts tombaient de tous côtés et que chacun ne songeait qu'à sauver sa vie. Un jour pareil, Mordechai disparut tout à coup à nos yeux. Il était allé dans la foule pour être présent, afin d'apprendre comment les Allemands faisaient pour en tirer la conclusion sur la façon de les combattre. Même après sa mort, dans la ville, on le respectait toujours. On le considérait même comme un homme sortant de l'ordinaire. Il avait agi librement, et sa façon de parler était hardie. De déplacer leur véhicule très vite parce que sinon la police va les déplacer. Ça bouge toute la circulation. Déjà, du mouvement était dispersé. Beaucoup d'entre eux avaient été entraînés dans les wagons et reposaient maintenant dans la fosse commune. Ceux qui avaient échappé à la mort étaient enrôlés de force pour le travail obligatoire. Extérieurement, la ville ne semblait pas avoir changé. Les magasins juifs avaient été repris par des Aryens. Dans une cave d'une ville roumaine, quatre chauvins se sont rencontrés. Un cinquième montait la garde dehors. La sikhra se tenait tout bas. Est-ce que vous pouvez nous souvenir de vous passer un peu de temps?
juste. Il lui paraît une véritable trahison. Chut. Ne parle pas si fort, Hélène. Je m'en vais si t'es mal demain. À quel moment je peux commencer? Mais non, non. Vers quel but voulez-vous mener la jeunesse? Enfin, le fils du juif libre. Du juif qui cherche une solution au malheur de son peuple. C'est juste, le but est toujours le même. Oh.
Camille, connu sous le petit nom de Camille, est le héros du livre de Nathan Cham, On peut déjà dévoiler. Aujourd'hui, nous vous raconterons une petite partie de l'histoire et nous commencerons par vous donner une courte description de ce garçon élancé et aventureux. Comme tous ses amis du mouvement de jeunesse sous la domination anglaise, Camille a rempli de nombreuses missions dans le rang de la Haganah. Missions de liaison, d'information et d'autres encore. À l'époque où se déroulait la lutte en faveur de l'immigration clandestine, Camille était déjà un garçon gris. Il était de ceux qui étaient en plein dans l'action. Il allait le visage préoccupé, les mains dans les poches, il ne parlait jamais qu'à deux mots. Et quand des plus jeunes que lui racontaient ce qu'ils avaient vu ou entendu, il regardait d'un seul d'un regard ironique et attrayant. Il ne disait même pas qu'il était à l'aise. Pourtant, à l'opposé de ces jeunes, tout ironique qu'il était, il connaissait la famille. Ce que nous pourrons comprendre n'est pas compliqué. L'aventure de Gabi se voici à l'aise. Un jour, la troupe se préparait à un jeu, qui devait par la suite se dérouler sur des dunes de sable, au bord de la mer, au même endroit où se trouve actuellement le gars d'un astronome, le jardin d'indépendance de la ville. Pourquoi ? Comment pourquoi ? Premièrement,
ils ne savent pas tout nager. Deuxièmement, il faut les amener en lieu sûr. Troisièmement, si les Anglais surveillent le bateau, on se livre pour vous, on les empêchera d'arrêter les clandestins. C'est merveilleux, je vais t'accompagner. Non seulement que tu peux, mais ce n'est sur le table en tout cas. Imagine les policiers nous voyant seuls au bord d'un mur. Tout de suite, ils trouvent une place d'eux. Mais Lyon, si on y est tous les deux, nous pensons eux. Pourquoi? Allô, routier Gamli, grand trèfle à la maison. Entre-temps, au bord de la mer à Tel Aviv, j'étais déroulé le jeu sous. C'était le jeu habituel, prisonnier, tué et blessé. Les armes étaient les lames de roche, avec lesquelles on pouvait tirer l'un sur l'autre au moment où apparaissaient les murs. De temps en temps, une faible lumière se déplaçait à la surface de l'eau. C'était un phare qui faisait des signaux sans arrêt. Certains s'amusaient à lui rendre des signaux sans signification. Soudain, le coup de sifflet du moniteur retentit. C'était le signal de l'arrêt du jeu, et tout le monde devait se réunir près de l'école normale d'instituteurs qui se trouve non loin de là. Qui envahit la maison de Gamli et combien de larmes de joie coulèrent alors.
Mais Gamli fut le seul de la famille à être absent à cet événement. Comme on l'a vu, au même moment, Gamli était plongé dans un profond sommeil à Natania, après avoir veillé toute la nuit au bord de la mer. Alors on dit, t'as lu les journaux? Oui, j'ai lu. Quoi, c'est la différence? Tu as lu? Et c'est tout ce que cela te fait? J'ai lu, et alors? Et cela ne te rappelle rien? Tu n'es pas très clair, à quoi fais-tu référence? Ah, et moi je pensais que tu étais de ceux qui comprennent les allusions. Explique-toi. Bon, eh bien, tu as peut-être lu quelque chose au sujet d'un bateau. Oui. Et tu t'es pas rappelé de ce que je t'ai dit la veille? Ah, pendant, on passait sur le cours du Jourdain depuis lors. Je scouffe, hein. Tu peux être sûr d'une chose. Moi, je n'ai pas fait de bombardement à l'été s'il plaît. Ni de si vieux à l'été dans le proche. Moi, cette nuit. Mais toi, tu es de la dernière cette nuit, pas sur les côtes de la ville. Qui te l'a raconté? Bah, c'est très simple. C'était quand j'ai amené Micron que j'ai moi-même tiré de l'eau et que je l'ai amené chez tes parents parce que c'était ton oncle. Ta mère m'a alors dit que tu étais toujours là. Thank you.
mais la fin, la première partie du spectacle. Vous pouvez aller vous rendre au bar, manger des falafels, boire tout ça. Chers amis, avant de reprendre la deuxième partie, je voudrais vous faire part de quelques télégrammes et messages que nous avons reçus. Je ne vais pas vous les lire, nous n'avons pas le temps, je crois que vous n'avez pas vraiment envie de les écouter non plus. C'est peut-être un peu dommage parce qu'ils sont vraiment très bien. Enfin, je vous dis, nous avons reçu un message de l'Anna Gaëliona, la direction centrale du mouvement mondial, signé par Eliaou Lahav et Dougui. Nous avons reçu un message de Victor Shemtov, secrétaire général du MAPA et ancien ministre. Nous avons reçu un message des pères du mouvement, Yaakov Razan et Meir Yahare. Nous avons reçu un message du mouvement de la Chemin d'Intérieur de France. Et nous avons reçu aussi un message du Kibbutz Arzi à Shomer HaTzair, signé par Aliza Amir et Dov Peleg. Nous avons aussi reçu un message, un télex, du député Abraham Katz, chef du département de la jeunesse et du Echadot. Et maintenant, place au spectacle. היסטורי. על יסוד החלטת עצרת האומות המאוחדות, אנו מכריזים בזאת
à la Kama, Mina Yuli Belser, il Mina Tisser. Donc, Bitachon de Tsun Israël, מושב מועצת המדינה הזמנית, על אדמת המולדת, גיל תל אביב, יום הזה, ערב שבת, באייר, בו שלכם, 14 במאי 1948.
Negba a été isolé et encerclé durant une bonne période de temps. Mais la grande attaque, celle qui visait à la conquête du Méchec, ne fut déclenchée que le 3 juin. 8 heures durant la bataille fit rage. Les tanks avançaient sur le Méchec et l'un d'eux a même réussi à pénétrer dans l'enceinte et à pénétrer dans la cour. Mais touché par un projectile biat anti-tank, il a dû faire demi-tour. Nos forces ont été soumises ce jour-là à une très grande épreuve. Mais nous sommes sortis de l'épreuve, animés du sentiment que nous étions en mesure de tenir. Le matin déjà, nous étions aperçus que l'ennemi s'apprêtait à l'attaque. Éparpillés dans les monts de Judée et du Galil, ne sont pas qu'un défi lancé à l'avenir. Ils sont aussi ces phares qui scrutent et illuminent le passé, ressuscitent et raniment des épisodes ardents, antiques et oubliés de l'histoire d'Israël. Notre génération de jeunes Khaloutsim devient ainsi, par une voie à la fois étonnante et merveilleuse, le chaînon qui nous relie au passé de notre pays.
ils se sont trouvés, le jeune juif et la jeune juive, et dans leur bouche, une seule parole, travail et rédemption du sol. En Eretz Israël, le jeune étudiant juif au visage pâle, la jeune fille juive aux mains frêles, se sont fortifiés dans la lutte avec la terre et sa désolation. Les montagnes, dénudées, érodées, les vents chauds ont marqué le stigmate, le corps et le visage du jeune juif, et se sont infiltrés jusque dans les profondeurs de son âme. Des moissons sur pied, des canalisations, des maisons.
Les ouvriers gravissent le flanc de la montagne pliée vers le sol. Ils progressent rapidement, arrosant chaque flanc prochainement trouvé dans son trou, en forme de dents noires et tassent la terre. Vient l'heure de la pause. Ils s'assoient près de leur palmier, fatigués et silencieux. Je demeure perplexe. Jusqu'à présent, il n'a pas plus suffisamment. Une grande partie de ces plans seront condamnés et il faudra couper les proposer les survivants, retourner au sol et ajouter d'autres plans. Et qui sait peut-être, au moment d'une année de sécheresse, ou bien éliminer des habitants de cet endroit. Personne ne prendra soin de la forêt. Les mauvaises herbes envahiront à nouveau le terrain et toucheront les jeunes plans. Mon humeur s'assombrit. Je sens croître ma fatigue et ma nervosité. Je vois des multitudes d'hommes et de femmes qui se sont établis sur ce sol et qui ont ensuite déserté. Et voilà qui parcourent les routes du pays, à bord de camions, en groupe, petits et grands, avec leurs enfants et leurs bagages. Ils ont fui la terre rocheuse et dure, éloignée de tout centre, et échappent avec anxiété ou des nouvelles abondamment bouillon, près de laquelle ils ont essayé de trouver du travail, une terre où on peut gagner de l'argent et ne pas craindre les abats, ni monter des puissants murs de deuil. Et aperçois autour de moi la terre et les collines, le tout baigné dans la lumière dorée du soleil, et je me dis, et pourtant, beaucoup d'hommes se sont établis sur cette terre, de bons ou de mauvais grés, par simple indifférence. La vie et la création présenteront ces lieux, et les forêts se déploieront sur cette grande route qui mène à Jérusalem. Ils ont survolé les mondes des démons et le désert des lattes pour enfin poser le pied sur le sol de ce pays. Le Messie qu'ils avaient entendu n'est pas arrivé. À nouveau, en les entassant dans des tentes grises, ils se sont promenés ça et là, attendant ce que demain leur apportera. Ils ont ensuite travaillé chez les paysans des environs du camp. Ils se sont inscrits au parti pour retourner la terre. Ils ont pensé qu'ils vivraient comme ces paysans et comme leurs voisins du Yémen qui ont terre à eux. Un jour, on leur a dit de charger leurs lits et leurs arbres sur les camions. Ils se sont embarqués à bord de ces hauts camions et les voilà ici. Et aujourd'hui, ils travaillent dans les collines de Jérusalem, amendant le sol et plantant des arbres. Je leur dis de se remettre au travail. Ils se lèvent, là et fatigués, et à nouveau se penchent sur la terre pour enfoncer de petits arbres. Ils se retraient de temps en temps et progressent vers le sommet de la colline de trous en trous. Je me baisse moi aussi et plante un arbuste. Lorsque je me redresse, je ne sais plus lequel j'ai planté. Ils se ressemblent tous et j'ai l'impression de les avoir tous plantés dans un. Le soir tombe, les ouvriers reviennent à la maison. Fort solitaire, balayé par un vent qui anime le feuillage du caroubier, laissé tout seul sur la cime, pareil à tous les caroubiers, sur les collines et ce caroubier qu'on aperçoit au loin sur la terre de coucher le ciel. Et tous ces arbres sont dispersés sur les collines,
montant la garde inlassablement. Mais cette nuit, le gabier n'est plus seul. Sur la colline se sont dressés des milliers d'arbres, hauts de 5 ou 6 cm tout au plus. Cette nuit, ils poussent déjà leurs racines dans la terre et commencent leur course souterraine entre les rochers. Ils sont abreuvés d'humidité, et lorsque l'aube les saluera, ils se seront déjà unis à cette terre et ne formeront qu'un avec elle. Et à présent, ils sont les frères des gabiers solitaires et vétustes, ils sont leurs héritiers inattendus, inespérés. Au loin, les collines ne sont plus pareilles à ce qu'elles étaient hier et avant-hier, chauves et dénudées, et les rochers formant de hauts saillants sur leurs flancs. Mais ils ne sont déjà plus comme la guerre, car de petites forêts les recouvrent, petites forêts de petits arbres, des multitudes de petits arbres verts. Thank you.
Ceci termine notre grande messiba. Mais avant tout, avant que les gens sortent, on va quand même remercier les gens qui nous ont aidés. Chers amis, avant de clôturer cette fête, nous tenons à remercier les personnes qui nous ont si gentiment aidés dans la réalisation de ce spectacle. Et nous les invitons à monter sur scène. Monsieur et Madame Nurplus, pour la confection des costumes. Merci beaucoup et merci d'être venu.